Hey, salut tout le monde, c'est Quamoingus. On se retrouve aujourd'hui sur FIFA 14, et oui, il est sorti, il est là, et enfin nous pouvons y jouer. La démo c'était bien, mais bon, voilà. Voilà donc il y aura plusieurs choses sur FIFA 14. Donc vous avez vu ma première vidéo que j'ai faite en compagnie de tous mes amis voilà, pour la découverte de FUT 14, mes premiers pas personnels en tout cas sur FUT. Car j'ai eu des FIFA, mais bon, plus ou moins, voilà. Bref, donc là, c'est vraiment mes premiers pas, c'est vraiment une découverte pour moi. Donc, je suis vraiment content de commencer cette aventure, voilà. J'adore FIFA, hein. FIFA, ça fait des années, des années, des années que j'y joue, mais j'ai jamais eu le jeu officiel. Ou alors, à l'époque, c'était sur PS1, alors c'est pour vous dire comment ça remonte quand même. C'était 96, je crois, enfin bref, on s'en fout. Voilà, donc là, il y aura plusieurs choses. Donc, il y aura deux carrières. Il y aura. Attendez, parce que là. Non, je vais pas. Je vais pas charger. Est-ce que j'ai déjà commencé une carrière pour voir ce que ça donnait, bien sûr. Ouais, mais je veux pas ça, moi. D'accord, charger, voilà, nouvelle carrière. Voilà, donc, excusez-moi, il y aura deux carrières, donc carrière de manager et carrière joueur. La carrière de manager, je vous le dis honnêtement. Je la ferai, bien sûr, j'aurai un club, mais ça sera sûrement sans la chaîne Quamoingus, donc mon autre chaîne. Et par contre, il y aura la carrière Be a Pro, deviens un pro, où là, je la ferai avec vous sur le FRMKO, car c'est vraiment celui qui m'attire le plus, c'est ce mode-là qui m'attire le plus dans la carrière. Donc, j'ai décidé de faire ça sur la chaîne FRMKO, et c'est bien normal. Voilà, bah écoutez, bah là, sans plus attendre, oui, donc je dis qu'il y aura plusieurs choses, qu'il y aura aussi, il y aura des clubs pro, certainement, avec Melvin, Bastien, Kevin, peut-être Loïc, enfin bref, avec plein de monde, il y aura du FIFA Ultimate Team aussi, de temps en temps, de la saison, il y aura des jeux techniques pour voir, pour s'amuser vite fait ensemble, des matchs amicaux, enfin, il y aura tout, 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 on va vraiment tout faire ensemble, il n'y aura pas de problème, là, voilà. Bref, allez, là, en tout cas, pour l'instant, c'est la carrière Be a Pro. Donc voilà, alors mon club ce sera l'Olympique de Marseille. Je suis désolé. Je m'excuse à l'avance, hein, même si j'ai pas trop à le faire, mais bon voilà, si vous n'êtes pas Marseille, ben, je suis désolé, mais moi, depuis mes 12-13 ans, j'aime l'Olympique de Marseille, donc je jouerai à l'Olympique de Marseille. Si ça ne vous plaît pas, tant pis. Si ça vous plaît, tant mieux. Si vous en foutez, eh ben c'est parfait. Voilà. Non mais voilà, c'est comme ça, j'ai décidé, Marseille, ben, c'est. Voilà, j'ai envie. Allez, donc Marseille, c'est parti. Difficulté, en jouant pro, le match 5 minutes, indulgente. Ouais, pourquoi pas, on s'en fout. Désactiver, non, on s'en fout. Continuer. Hop là. Alors, bien sûr, on va créer notre pro. Hein. Alors, on va faire très original. Hein. Vous allez voir, vous allez me dire, ouais, oh là là là. Mais que c'est original. Oh, prénom Kwam. Waouh. Comment se fait-il? En nom, je sais pas, moi, au hasard, allez. Oh! Oengus, oh là 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 là, mais leur surnom, je vais pas en mettre. Non, je vais pas en mettre. Non, commentaire, on s'en fout dans son maillot. On s'en fout. Numéro. On va mettre le numéro 76, 76 pour les Belges et les Suisses. Ma nationalité, bah là, oh, surprise, mais que va-t-il choisir comme nationalité? Alors là, oui, donc du coup, si je me mets russe, vous allez me dire, ah, mais tu pourras pas jouer en équipe de France et tout, c'est triste. Et bah oui, bah tant pis, je joue en équipe de Russie. J'assume, j'assume. Ouais, mais quoi, mais la France est quand même mieux, puis c'est comme ton pays. Bref, allez. Les cheveux. On va faire ça assez vite, hein, parce qu'il n'y a pas non plus 36 choses à regarder. Hein. Bah, c'est un perso, hein, voilà. Après, il n'y a pas besoin de. Ouais, si tu veux. Non, mais non, j'aime pas ça. J'aime pas comme ça. Lesquels que j'aime. Porky-Pig. Ouais, un petit Porky-Pig, pourquoi pas. Si tu veux. Les couleurs, la couleur, les cheveux noirs, la pilosité, la moustache, la moustache, la moustache. Vous savez que moi, la moustache, voilà. Yep. Couleur, bah écoutez, oui, hein, y a pas de problème. Yep.
Les yeux, on s'en fout. J'ai changé la couleur parce que moi c'est la couleur de mes yeux, mais ça, tout le monde s'en fout aussi. Hein. Le teint, on va le faire un tout petit peu bronzé, pas non plus trop, mais un petit peu bronzé quand même. Hein. Voilà. La carte, on s'en fout. Les oreilles, on s'en fout. On s'en fout. Après, honnêtement, je veux dire, c'est un joueur quoi. C'est pas une star quoi. Donc attaquant, donc oui, je vais me mettre avant-centre. Hein. Voilà. Je suis un avant-centre. Créateur, ouais, si tu veux, non. Finisseur plutôt, centre 45 dribble, 110 possédés en tir, ouais, pourquoi pas. Oui, donc je serai le buteur. En tout cas, un buteur. Ma taille, 82, 77 kilos, pourquoi pas. 76, ouais, maigre, non, moyen quand même. Voilà, bah écoutez, c'est assez rapide, hein, là, voilà. Kouamouengus. Qui est né le 2 juin, numéro 76, russe, olympique de Marseille, avant-centre, c'est parfait. C'est parti, on continue. Un nouvel homme fort pour l'équipe, le joueur de 18 ans cherchera à faire bonne impression dans son club OM, suite à son récent transfert. Eh oui, voilà, donc on efface celle-là. Voilà. Et voici donc la page d'accueil. La page d'accueil, voilà, du mode Beer Pro. Donc les messages, voilà, bien sûr, là, c'est objectif pour la saison, alors. Conserve une note moyenne par match d'au moins 6. Ok. But, 6 buts cette saison. Ok. Effectue au moins 5 passes décisives pour l'équipe. Ok, ça roule. Et maintenir au moins un ratio de 10% de buts par tir. Donc si je tire 10 fois, il faut que je marque un but. Bon, c'est... Ça va, c'est raisonnable. Après, bon, c'est pas mal, ça va. Voilà, donc l'accueil, hein. Le calendrier, les infos, le début des transferts, vous voyez, là. Hein, pour l'avenir, voilà. Bref, calendrier des matchs amicaux, on s'en fout pour l'instant. Enfin, on s'en fout pas, d'ailleurs, je vais voir l'objectif, on vient de le voir. Mon perso avec les notes, hein, technique 59, défense 22, mental 48, passe 47, 70 en physique et 60 en tir. Ouais. Voilà, 66 de général. Bon, je suis pas top, mais je suis pas pourri non plus quand même. Mon pro, bah, bien sûr, les exploits, hein, toujours pareil, il y a toujours beaucoup de choses en attaque, en défense, en gestes techniques, en. Il y a toujours beaucoup de choses. Hein. Ça, on ira voir au fur et à mesure. Rap, merde. Pas du tout vite. Rapport équipe. Bon, voilà, donc là c'est classement par équipe. Je suis où? Moi je dois être dans les derniers. Hop. Ouais. Je suis même pas là. C'est quoi ça? Non, en fait, non, je suis même pas là. En fait, que... Ah si, je suis là. Voilà. Buteur 66. Pas de prêt à jouer. Pas de suspension. Peut devenir spécial. Waouh. Waouh. Peut devenir spécial. Je vaux quand même 625 000, hein. C'est quand même pas mal. Hein. Mes actions, donc là-bas je gagne 5 000 euros par mois, magnifique, pouf, je suis fier. Et donc 625 000 de valeur, la forme ok. Donc voilà en fait là, avec 74 en vitesse, 72 en endurance, 70 en accélération, 70 en équilibre, 70 en réactivité, 110 en finition. Je peux demander de prêter ou prendre ma retraite à 19 ans, pourquoi pas. Alors le transfert non, prêt oui, je pense que je vais me demander être prêté d'ici qu'il fasse tout ça dépend, hein, si on me fait jouer ou pas, au final si on me fait jouer à Marseille, bah, je resterai à Marseille. Voilà, donc il rend 19 sur 30, c'est mal, c'est le classement, il n'a pas joué. Et enfin les paramètres, la saison, le calendrier, donc le voici. Premier match, le 21 juillet, match amical. Donc voilà, après, encore match amical. Hop. Le premier match sera l'en avant Guingamp. Le premier match du championnat. Est-ce que je serai encore à Marseille? Là est la question. Stat équipe, on s'en fout. Stat joueur, pour l'instant, il n'a pas. Tableau, il n'a pas pour l'instant. Les rencontres, on s'en fout. Autre championnat, on s'en fout pour l'instant. Il n'y a pas de match. Et... Non, excuse-moi. Voilà, bah écoutez, donc c'est le début de Kouamouengus à l'Olympique de Marseille. On va voir si je suis sélectionné pour le premier match de. Premier match amical. Je t'ai retenu dans l'équipe. Bien. Mais c'est bien ça. Samba, Fanny, Lucas, Mendes, Salo, Mendy, Abdullah, Romao, Payet,
Ayu Valbona et Kwam Oengus retenus. Magnifique. Bah voilà, je joue mon premier match, un match amical, c'est excellent. Dès que j'arrive dans le club, on fait jouer, on a confiance en moi. Yoann Tovin, pour le club et le pays. Je sais que tu te concentres sur ta carrière dans ton club, OM actuellement, mais je ne ferais pas bien mon boulot d'agent si je ne te rappelais pas qu'il est essentiel d'être convoqué en sélection nationale, la Russie, pour continuer à progresser, peut-être devenir une légende. Merde. Le sélectionneur national te voit certainement comme un joueur international potentiel et recevra des rapports sur ta progression. Alors, il est important que tu signes d'excellentes performances avec ton club, cordialement. Merci, merci, je sais. Je suis la future grande star, je sais. Alors, ça va fermer boîte, supprimer, archiver. On va l'archiver celui-là, parce que c'est important quand même. Et celui-là aussi d'ailleurs. Ouais, vas-y, hop là. Voilà, bah écoutez, donc là, ce sera le prochain match, donc à domicile contre le Kievo. Donc là, ce qu'on va faire, je vais d'abord voir combien de temps dure cette vidéo, car j'ai pas envie qu'elle dure trop longtemps, ni trop peu de temps. Comme vous le savez, hein, j'aime bien les vidéos assez longues, mais pas trop longues non plus, ça ne sert à rien. Et après, pour les matchs, eh bien écoutez, je pense que... il n'y aura pas tous les matchs. Je vais pas non plus vous montrer les 38, 40 ou 50 matchs que je vais jouer, je sais pas. Je vais avancer tranquillement, donc tous les matchs amicaux, quoi, voilà. Enfin, si là, comme c'est le premier match, peut-être voir un peu ce que ça donne. Parce qu'au final, je connais pas, je vois pas trop, enfin, je connais ça sur le 13, mais je connais pas trop sur le 14, ce que ça donne. Ça devrait être sûrement la même chose, hein. Mais moi, voir, voilà, si le premier match, peut-être contre le Kievo, je vous le montrerai. Peut-être pas tout. Peut-être que les moments forts du match. Après, il faudra voir. Je verrai bien. J'essaierai de faire ça, peut-être un petit montage des moments forts du match. Et comme ça au moins vous aurez des matchs qui dureront 5-10 minutes. Et puis en cours de saison, il y aura peut-être 1, 2 ou 3 matchs par vidéo, on verra bien. Comme ça on avancera assez vite quand même. Parce que notre carrière de joueur, quand même, pas comme PCM, vous voyez, PCM, une saison, c'est voilà. Mais là c'est une carrière, donc il faut vraiment avancer assez vite quand même pour que tout le joueur évolue, progresse. Aller dans d'autres clubs, devenir une star et tout, enfin bref, il faut que ça aille assez vite quand même, donc je vais. Voilà, je pourrais pas vous montrer tous les matchs en intégralité, sinon je pense que ça vous ferait chier, donc voilà. Donc, il n'y aura pas tous les matchs, je pense qu'il y aura un résumé par mois ou par semaine, sauf bien sûr s'il y a un gros choc, comme au MPG ou à Monaco par exemple, là forcément, ce sont des matchs, voilà. Et bien sûr, si je suis transféré par exemple, bien sûr, voilà, enfin bref. Voilà, mais écoutez, c'était la première vidéo sur le mode de Be a Pro, donc deviens un pro de FIFA 14. J'étais vraiment très heureux de vous le proposer en tout cas, car j'attendais ça avec impatience. Maintenant c'est bon, on y est, l'aventure est lancée. Donc je vous dis à la prochaine, et donc rendez-vous donc pour le deuxième épisode des aventures de Kwam Oengus en FIFA 14 en mode Be a Pro. Juste avant de vous quitter, excusez-moi, je voulais ajouter... pour ceux qui suivent mes vidéos sur Pro Skate Manager, ne vous inquiétez pas, je n'abandonne pas Pro Skate Manager. Je n'abandonne pas les Sims, je n'abandonne pas Daisy, je n'abandonne rien du tout. C'est juste que là, je vais me concentrer un peu sur FIFA. PCM, il y aura une vidéo. Enfin, en fait, je vais alterner les deux. Il y aura sûrement un jour FIFA, un jour PCM, un jour FIFA, un jour PCM, un jour PCM et Daisy, un jour FIFA et les Sims. Il y aura toujours mes tutoriels, ne vous inquiétez pas, il y aura toujours mes speed art, il y aura toujours mes étapes que je jouerai, mon tour extrême. Bref, il y aura beaucoup de choses. Alors peut-être pas tous sur FMKO, je sais pas, on verra bien, peut-être que ça va... Il y a des choses qui vont aller sur la chaîne Kwam Oengus, peut-être les Sims, Daisy, peut-être les Speed Art, enfin je sais pas, on verra bien. Voilà, c'était juste pour préciser à ceux qui me suivent aussi sur mes autres projets. Voilà, sinon moi je vous dis donc, cette fois-ci c'est la bonne, je ne vous embête plus, je vous dis à bientôt, prenez bien soin de vous, et ciao tout le monde, et rendez-vous pour la deuxième épisode de Kwam Oengus chez les fous. Pourquoi je dis ça, je ne sais pas. Ce sera peut-être le titre au final. Allez, ciao tout le monde.